petit pouce bleu. Bien, bienvenue. Ils sont à l'heure. Hein. Oui, et nous aussi. Les sportives, je vois que des sportives. Bonjour Laetitia, Nathalie, Christiane, Christine. Ah, Maya, génial. Eh bien, c'est courageux. Karine, Nina, Carole, bien. Et maman, qui regarde, c'est bien. Alexandra, Janine, Ronnie, certainement. Bon, c'est bien, je ne vais pas citer tout le monde, vous êtes super nombreux là, c'est super. Ce jour férié va être bien rempli sportivement. On va aborder au moins 4 sports sur ce live. Il va y avoir du karaté, il va y avoir du volley, beach volley, on va être déjà à la plage. C'est chouette le beach volley. Il y aura de la course à pied, du trail, une sorte de trail. Bon, tout ça c'est symbolique, mais on va travailler le cardio avec ces sports-là et les abdos, on fera un peu de natation au niveau abdominal. Bien, il va y avoir du travail de cuisses, de fessiers, d'abdos, de bras, de dos, de cœur et de sourire. On y va dans... Allez, j'attends encore quelques connexions. Sylvain, super. Allez, c'est parti. Allez, le son au taquet. Vous pouvez commencer à danser. Step touch, boom. Avec un petit rebond si vous voulez, mais c'est pas obligé. Voilà, on met un peu de chaleur dans la maison. Croise derrière, large, croise. J'ouvre et je serre. Droite, gauche et resserre. Droite, gauche et resserre. On plie les genoux au bout du mouvement. Et on change de pied. Plie les genoux large, serré. Encore deux. Et un. Ok, sur place, je lève les bras et je twist. Lève, twist. Lève, twist. Lève. Vamos a bailar. Encore. 4. 3. 2. 1. Ok, la même chose. On lève et on incline. On lève. Et on incline, bien. Ouh là 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 là. Épaules et dos s'échauffent. Tranquillement, hein. Amplitude contrôlée. Soufflez bien sur le côté. Encore 8. Important de chauffer la colonne. Les deux derniers et le dernier. Bien, ici, reprends le step. Un peu plus large pour travailler les hanches, réchauffer les hanches et les cuisses. On rajoute un step, un genou. Un step, un genou. Encore 4 de ce côté. Ça va et là. Le dernier. Et change de genou. Bien joué. Allez, monte-le. Encore. Le dernier. Reste là. Step. Et là, descends. Et remonte. Échauffe les genoux et les cuisses. Ouh.
dernier. Deux. Et un. Reste là. Et pause. En marchant sur place. Les bras entraînent le mouvement des pieds. Change de sens. Échauffement des épaules. C'est presque la natation. Les deux bras. La monte sur la pointe de pied. Change de sens. Encore 4. 3. Ok. Large sur les appuis, la tête. Demi-cercle à gauche, demi-cercle à droite. Voilà. Encore. 3. Les 4 derniers mouvements pour la nuque. Le dernier. Bien, juste le bras droit, juste l'avant-bras. Pas que le poignet, un avant-bras complet. Regarde bien. Regardez, hein, c'est vraiment l'avant-bras. On échauffe le coude. Ah oui, ça ne s'enchaîne pas, d'accord. Allez, deuxième partie de l'échauffement. Échange de coude. C'est pas évident. Et le coude ne bouge pas, il n'y a que l'avant-bras qui bouge. Un cercle vertical. Change de mouvement. En même temps, ça réchauffe les poules encore. Ouais, les deux. Les deux. Pas que les poignets. Hein. Ok, relâche. Quand à le garder. Pas trop grand, c'est l'échauffement. Petit, mais pensez à plier les genoux à angle droit. Le genou avant ne dépasse pas les orteils du pied. Avant. On pousse le bras de la jambe de devant vers le plafond. Prépare tes cuisses. Maintenant, arrondis le mouvement plus loin. Plus loin. On avance la cuisse et on y reste. La jambe arrière se tend. La jambe arrière se tend. Je décolle le talon et je descends dans le sol. Étire. L'étirement, tu le sens devant et peut-être un peu derrière. Regarde, le pied derrière s'ouvre, je plie la jambe et je pose. J'ai couvert le pied, je plie la jambe et je pose les mains au sol. J'étire l'arrière. Décolle les orteils vers le plafond. Et change de jambe, l'autre devant. Jambe tendue derrière, talon décollé et laisse descendre. On ouvre le pied arrière et on étire. Décolle bien les orteils vers le sol. Alors, et reviens. Bien. Un petit peu d'abdos légers, un peu de gainage pour continuer d'échauffer le corps et après on attaque le cardio au taquet. On fera une chanson de karaté, on l'a faite lundi pour ceux qui étaient là, donc c'est la même. Et après il y a deux nouvelles chorés, cardio, running et beach volley. Allez, on place sur le dos. Je vais lever le pied au sol. Option pied au sol et tu touches les genoux opposés. Ok? Tac, 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 tac. Allez, c'est parti. On croise pour bien échauffer la colonne vertébrale. Et les obliques et les abdos. Chou, chou, chou. Encore. Encore 24. 16. 2. 3. 4.
Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Passez en planche. Et quoi comme planche aujourd'hui? En échauffage? Ah oui! C'est simple, on va avoir un coude au sol et une main au sol. Et je vais essayer d'avoir les hanches de face, pas les hanches tournées côté bras tendu. Hanches de face. Allez, choisis ton coude, serre les pieds, les hanches de face et tends le bras. Tends le bras d'un côté en gardant les hanches de face. Si tu tends le bras, ça va tourner le corps. On essaye de le mettre de face. Et on tient, la musique nous guide. On reste 32 secondes, 32 temps de musique. Viens de face, tes hanches. Changez, le coude au sol change et je tends la main de l'autre côté. Hanche de face. Échauffement de l'ensemble de la colonne vertébrale. Abdominaux. Et sourire. Tends le bras. On repose et on repart sur les twists. Pensez à votre option, hein. Plus facile, mais ça bosse quand même. Allez, on échauffe bien le dos pour le cardio qui arrive. Les mains derrière la tête et petit. Je compte 32. Plus que 16. Plus que 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et relâchez. Et relevez-vous tranquillement. Hydratez-vous et on attaque karaté. Cardio 1, il y a 3 cardio. 3 cardio, 3 travails jambes fessiers, 3 travails abdos gainage, 1 travail pour le haut du corps. Tout est par 3 parce qu'on est le 8 et ça n'a rien à voir. Allez, prends ta corde à sauter pour le début. Pour ceux qui ont fait ça lundi, vous souvenez, il y a corde à sauter. Il y aura tape arrière, kick avant, tape arrière, kick avant, tape arrière, kick avant, tape côté, kick côté, tape côté, kick côté. Il y aura blocage avec jump, paf, paf. Ce que vous avez à penser, c'est que la main devant est ouverte. L'autre, on s'en fout un petit peu. Normalement, on est sur la poitrine. Et il y aura genou, 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 et genou, boum, boum, boum. 2 rounds de combat, c'est tout. Prêt? Oui! Oui! On est prêt! On est prêt! Allez, la corde à sauter en main. Allez, saute à la corde! Qu'est-ce qu'on a? Tap, kick devant. Le pied droit qui boum, boum, tape gauche derrière, qui droit devant. Ok, côté, 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 côté. Pense à la hauteur, hein. Ça peut être le genou, ça peut être la hanche, ça peut être la poitrine. Reste là, main droite devant, on squat. Change, main gauche, squat, encore, droite, gauche, et maintenant on fait ça en sautant, maintenant, let's go, descend, descend, option, reste sur du lent, la main devant est ouverte, le poing sur la poitrine, reste là, corde. Qu'on va avoir ici, un tape arrière, un kick devant, un tape côté, un kick côté, ouais, le pied gauche tape derrière,
à côté, c'est le coup droit, devant côté, arrière, côté, arrière, côté, devant, côté, devant, côté, plus fort, comment tu cries, tape, on voit en moi, boum. Dernier, boum, reste là. Deux genoux. Les bras sont importants pour le cardio. Maintenant, un seul. Tu veux plus? Jump, jump. Jump, 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 jump. Tu veux moins? Main à la taille. Main en garde. Lâche pas, lâche pas. C'est fini. Le combat s'achève. Relâche. Deuxième round. On met le protecteur. On met la coquille. Pour les mecs. Ah, il y a des coquilles pour filles aussi. Qu'est-ce qu'on a? Tape droit derrière, qui gauche devant. La hauteur, c'est le bas-ventre. Ou bien la gorge. Choisis en bas ou gorge. En bas ou gorge. Et côté, tape, kick, tape, kick. Dernier, blocage, droite, gauche, change, squat, hein, jump, protège, 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 souffle bien, plus bas, option, sans sauter, dernier, dernier, reste, corde à sauter, souviens-toi, on va avoir un tap, droite, kick gauche, côté, côté, ouais, tap droit derrière, kick devant, côté, gauche, gauche, course en frac, ça dure 5 minutes 40,
short, basket. C'est parti. Quand tu vas dans le désert. Allez, cours léger. Début du footing. Ligne de départ. Bon, accélère. Maintenant, monte les genoux. Relâche. Monte. Relâche. Monte. Relâche. Option, hein. Marche. Monte. Relâche. Marche léger. Monte. Relâche. Encore. Monte. Relâche. Dernier. Monte. Relâche. Reste là. Timing. Place. Et en bois. Allez, grosse course sur côte. Dénivelé. 100%. Pense à l'option. Allez, dos plat, long. Ne lâche pas. Brûle les calories. Et on reste. Reviens debout. Cours. Respire, respire. Tu peux marcher ici si t'as besoin. On va faire courte en ouvrant les pieds. Et on serre. Ouvre. Et on serre. C'est quand ça glisse. Quand on court dans la boue. Prêt? Encore un. Course avant. Ouais. Reviens. Droite. Reviens. Monte les genoux. Devant. Reviens. Gauche. Reviens. Monte les genoux. Devant. Si t'as pas de place, fais sur place. Monte les genoux. Relâche. Monte les genoux. Relâche. Monte les genoux. Reste sur place. Accélère. Accélère. Pointe de pied. Verticalité. Sourire. Bras. Jambes. Option. Allez, allez, allez. Encore. Lâche pas, lâche pas. Brûle, brûle, brûle. Le sprint. Deuxième partie. La même. Récupère. Allez, cours sur place. On va monter les genoux, relâcher. Monter, relâcher. Ouais. 3, 2, go. Relâche. Monte. Accélère. Ralentis. Monte. Ralentis. Go. Eh, hey, fractionnez à la maison. Go. Ralentis. Go. Dernier. Ralentis. Ok. Climbing. Let's go. Allez. Pense à ne pas arrondir ton dos. Allonge-le. Travaille tes abdos. Ton cœur, tes bras. Ton souffle. Encore. Grand mouvement. Rapide. Tempo de la musique. Redresse, cours en haut. Relâche. Qu'est-ce qu'on a? Cours en ouverture, fermeture. Go. Plus large. Dernier. Prépare-toi. Vers l'avant. On est encore parti de dos. Droite. Là, tu montes les genoux devant. Bon, monte les genoux. Là, relâche. Gauche, monte les genoux.
relâche. Monte les genoux. Ah ben oui, ça s'est coupé. Relâche. Monte les genoux. Relâche, je sais pas pourquoi. Monte les genoux. Relâche, mais pourquoi tu coupes? Allez, encore. Fais-le encore deux fois. Allez, le dernier. Et récupère. Soufflez sur place, je suis désolé. J'ai un bug ordinateur, bon ben voilà, ça arrive. Ok, récupère. Vous avez senti le travail de fractionner, la montée des genoux va activer le cœur. Troisième et dernier cardio. Beach volé. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du travail au filet. Boum, du contre. Avec du step out. Ok. Ça deviendra du squat. Avec du smash. Et il y aura surtout du contre en fente. Boum, 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 boum. Je change d'appui. L'option, c'est d'aller doucement. Parce qu'il y aura les doubles. Boum, 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 boum. Ouais. Et après, smash au filet. Smash au filet, main droite, main gauche. La classe, si ça coupe pas. Sinon, on fera des pompes pour punir le coach. Et là, tout à l'heure. Allez. Ici, step, bloc, squat, bloc le filet. En bas en haut. Prêt, on compte. Et on change de jambe. Fente, sauter. Fente, sauter. Plus bas, plus bas. Option, sans sauter. Double, 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 double. Encore 4, 4, 3, 2, 1, déplace à droite, smash, gauche, smash une main, droite, sans sauter, c'est l'option. Squat, tap, squat, tap. Encore, caliente. Les 4 derniers, en bas. En haut. Reste là et reprends. Il n'y a pas de temps mort. Hein. C'est presque un pas chassé. Mais tu plies bien la jambe avant. Reste là. On compte. Prêt pour les smash? Go! Large et haut. Passe au-dessus du filet. Descends. Jump. Plus loin. Encore 4. 3. 2. 1. Reste. Les bras vers le ciel. Plie. Step out. Et on reste là. Squat. Compte. Une fois d'un côté de l'autre. Lâche rien. On reprend. Et on compte. Bien les fentes avec le contrebas. Fente, fente. Et on vient le pas. Boum, boum, descend sur ton appui. Smash. Boum. Allez, passe la balle. Boum. Sors le cercle chaud sous tes tongs. Allez, encore. Ne lâche rien. On est bientôt au bout. Plus haut. Plus large. Plus loin. Dernier. Et relâche. Récupère. Hydratez-vous. Vous avez bronzé avec ce beach volley, j'espère. Trois chansons de cuisses. Et on y va.
récupérer bien, souffler. Comme je le dis à chaque fois, quel que soit l'exercice, on peut le trouver facile ou difficile. Mais si on le trouve facile, c'est soit que vous n'allez pas assez vite sur le mouvement, alors il faut accélérer, soit que vous ne mettez pas assez d'amplitude dans les flexions ou dans les jumps si vous sautez. C'est pas possible qu'un entraînement soit facile, enfin il n'y a pas d'intérêt. Si c'est facile, il faut changer quelque chose. Comme quelqu'un disait, quand le corps a toutes les réponses, il faut changer les questions. Ouais, analyse cette phrase pour la soirée, pour le week-end. Allez, travail de cuisse, squat, fente, pulse, tout ce qu'il faut, cuisse, fente et fessier après. Trois chansons de jambes, après on a les abdos. Pourvu que le son soit là. Large. Là. Amplitude, souviens-toi. Maintenant, un squat, croise. Squat, croise. Sans remonter. Forme croisée. Regarde mon genou arrière, il se rapproche du sol. Ne remonte pas. Reste dans le sol. Plus bas. Croise bien. Bas. Reste là, pulse. Plus bas et pense à ton bas du dos, creux, le corps légèrement penché. Pulse et pulse, pulse, le devant des cuisses. On va faire une pulse, une tape à droite, une pulse, une tape à gauche. Pulse, tape, sans déplier. Sans déplier, sauf si vraiment tu as mal au genou. Travaille debout, hein. Petite flexion. Et petite pulse, reste. Pop, pop. Joli le piano à un doigt. Hein? Plus bas, creuse le bas du dos, souris. Large. Squat, fente avant. Squat, fente avant. Squat, fente avant. Les cuisses sont déjà mortes. Fente avant. Squat, fente avant. Squat, fente avant. Squat, fente avant. Dernière. Reste là, fente arrière. Il n'y a pas de squat au centre. Fente arrière. Angle droit pour les genoux. Roule tes cuisses. Et mercredi, on a fait 9 minutes. Celle-là, elle ne dure que 5 minutes 30. Encore. Descends. Je demande ce que vient faire la voix là-dessus. Encore. Encore deux. Et reviens, squat, squat, amplitude, boum, creuse le bas du dos, délie tes cuisses, ça brûle, mais tu es là, on est à la moitié, hein. Tu te souviens, un squat et tu croises, et squat, ne déplie pas, reste dans le sol, brûle les cuisses, tu développes ton endurance, tu développes ta tonicité, et tu améliores ton mental. Hey, redresse-toi encore. Bas. Redresse la poitrine, mais pas les cuisses. Boum. Plus bas. Est-ce que tu sens le devant des cuisses? Oui. Le dernier. Reste la petite. Pulse. Pulse. Ça, c'est important de creuser le bas du dos. Hein. Pas trop penché en avant. On a pulse. Et une tape, ça fait pulse, tape et pulse, et tape et pulse, et tape, en bas, dernier, reprends les pulses, et pulse, 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 allez, travaille tes cuisses, bien serré. Les dernières secondes, large. Squat fondamental, squat, fente, squat, fente, squat. Mets-moi de l'amplitude, soit avant. Squat et fente, squat. Encore, squat, fente, squat, et fente. On va au bout, hein. Et fente, squat, et fente.
arrière. Allez, les amis, on est au bout des 5 minutes. J'ai pas noté le temps complet, c'est 5 minutes et quelques secondes. Peut-être que c'est les quelques secondes les plus dures. Descends, descends. Reste là. Et fais-moi des petits. Oh, tu peux crier. Creuse le bas du dos. Large. Ouvre les genoux. On finit par ce qu'on a commencé. Squat. Croise. Et croise. Et croise. Cuisses et fesses, abdominaux contractés.
Le plus bas que tu peux. Ça. Sans. Ça. Sans. Ça. Sans. La fesse est morte. Et la cuisse, pas mieux. Encore. Un dernier, viens. Et relâche. On a fait 5 minutes 30, là on vient de faire 4 minutes 17. Les fessiers c'est 3 minutes 57. Donc on est en dessous de 4 minutes. Ça diminue encore. On a besoin du tapis. On a un exercice tout à droite ou tout à gauche et après de l'autre côté. Pensez à rester sur un genou pour éviter que ce soit inconfortable. Pensez à mettre plusieurs épaisseurs sur votre genou, soit une serviette, soit un tapis. En plus, ça permet de surélever un peu le bassin. Quand on va ramener le genou, ce sera plus facile parce qu'on va ramener le genou. Sur les genoux, sur les mains, placez votre dos, aspirez le ventre, préparez la jambe qui va bosser pour les deux premières minutes. On a fait 9 minutes de cuisse. Plus 4 minutes de fesses. Allez, on a déjà fait un petit pont de l'eau. Monte et descend. Jambes tendues, tu flexes. Ne montez pas trop haut pour ne pas trop cambrer. Regardez ce qu'il faut éviter, ça. Ok, reste petit. Petit, pousse dans le talon pour contracter un peu plus le fessier. On va croiser derrière l'autre jambe. Croise et pose. Monte et croise. Monte et pose. Monte et croise. Encore. Extension. Monte vers le plafond, ramène sous le ventre, monte, pousse dans le talon, arrière des cuisses, fessier, déjà vu, 8, 7 et 2 minutes, c'est presque fini. Reste tendu et pulse. Aplatis bien le dos, aspire le ventre, petite pulse, brûle ta fesse, oh merci, mon fessier de bosser, c'est presque fini, et retape, oh. Allez on termine, monte bien, on redescend, monte, croise, monte, ouvre. On va reprendre dans 3, dans 2, dans 1, flexion, extension. J'espère que je ne fais pas les 4 minutes d'un côté, sinon on sera obligé de faire l'autre côté. Encore. Non, il reste quelques secondes pour cette jambe. Écoute bien, le son diminue, mais pas ton effort. Tiens-le. Reste. Allez, mental, monte le pied, ne lâche pas. Si c'est trop dur pour le dos, posez à mon bras. Ne pose pas. Retends. Et relâche. Oh. On change de côté. La pause. Place. Monte et descend.
sans le ventre placé, sans le dos placé. J'ai entendu, qui flexe. Petit. Allonge la colonne. Petit, petit. Je me fixe. Qu'est-ce qu'on a? Monte, croise, monte, ouvre. Monte, croise. Monte, ouvre. Monte, croise. Sans cambrer le dos, tu le tiens par les abdominaux. Sans plier le genou. Encore. Pratiquement pour vraiment avoir un entraînement efficace sur une heure. Quand on se verra qu'une fois dans la semaine, eh ben ce sera efficace parce qu'on ne va pas s'arrêter de bosser. Il y aura peu de pauses, sauf s'il y a des soucis de son. Et après, les pauses sont obligatoires quand même et nécessaires. 30 secondes de pause, on récupère 30% de l'énergie musculaire. Donc c'est important. Si on fait tout le temps un cours sans s'arrêter, à un moment donné, l'énergie elle va baisser. Les substrats énergétiques vont baisser, on ne pourra plus faire l'effort, il n'y a pas d'intérêt. Des pauses entre 45 secondes et 1 minute, ça permet de récupérer presque 100% de l'énergie musculaire pour relancer. Donc c'est important de faire des pauses aussi. Mais pendant le boulot, on n'arrête pas. Sur le dos, pour les abdos, en avant, mes petits amis, go. Allez, funky music. Deux exercices d'abdos et un exercice gainage dos. Ce sera pas mal et après je regarderai l'heure si on a le temps.
Merci, c'est crunchant. C'est crunch. Encore un. Reste en haut. Et petit, petit. Option, pied au sol. Qu'est-ce qu'on a? Pied là-haut. Regardez l'option. Tap, 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 tap. Ou sinon allonge. Croisez bien le coude vers le genou. Croisez bien. Reste là, crunch, lent, funky music. Encore un, reste en haut, plus petit, plus vite que le tempo. Reste, pose, ouverture, étoile de mer, monte. Bonjour, monte, bonjour, option, monte, fléchis, pose, fléchis, monte, fléchis, pose, fléchis, monte les épaules, oh, serre, et ouvre, oh, serre, et ouvre, encore, il y avait la plage, c'est l'étoile de mer, le dernier, ça c'est le cri du ventre. Relâche. On reprend la même. Monte. Lâche. Pense à l'option. Laisse les pieds au sol. Souffle. Allez, décolle bien les épaules. Le dernier. Reste. Pulse. Allez, résiste. Endurance musculaire abdominale. Tonification du ventre. On tient, quelques secondes. Et 4, 3, 2, 1, reste. Lent. Encore 2. Le dernier. Qu'est-ce qu'on reste? Option, pied au sol. Tu te souviens? L'étoile de mer, écart et resserre. Let's go. Funky music. C'est les épaules qui montent. Option, tout fléchi. Allez, repousse, c'est fini. Allez, dernier, les derniers. Encore deux. Allez, monte-moi tes épaules, monte tes épaules. Tu peux faire du sit-crunch, let's go. Complet, complet. Du sol au genou. Boum. 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 Yeah. Allez, allez, laisse la musique te guider. Laisse l'effort. Yo.
Bien, les amis, écoutez la tempête sur la mer. Vous avez de la tempête dans les abdos. On y est. Ici, on brasse. Brasse vers le plafond et repose. Brasse et repose. Allez, monte. Le bateau devant nous, un paquebot. On nage, on nage. Ok, ici, on s'éloigne du bateau, battement, battement. Suis le rythme. Pa, 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 pa. Plaque le dos, option. Tape le sol. Et les bras. Dos crawlé. Faut s'éloigner de ce paquebot qui sonne. Option, jambes fléchies, épaules décollées, et reprends, brasse, pour t'éloigner, on nage tranquillement, vers la côte, mais que les bras ça suffit pas, est-ce qu'on peut brasser aussi avec les jambes, le mouvement est brasse, brasse, décolle tes épaules, monte tes pieds vers le ciel, brasse, brasse et relance les battements. Les mains sous les fesses si c'est nécessaire. La tête posée si tu préfères. Le mieux c'est les épaules décollées. Les bras.
Allez, le dernier, mets-toi en posture, de gainage, sur les mains. T'es toujours en vie? C'était dur. Allez, c'est dur la mer, hein, ah oui, de nager en mer. C'est sûr. Ok, ici, allez en place, on va avoir du climb croisé qui sera associé à de l'élévation lombaire, élévation du buste. Allez, elle dure pas longtemps celle-là. 4 minutes 0-0. On l'avait déjà fait nous tout à l'heure, hein, le... Ouais, mais bon... Allez, viens là. Place. Et croise. Alors, c'est 45 secondes. Position sur le côté. Bien plat, bien long. Encore. 45 secondes par gainage. Tourne bien les hanches. Allonge et abaisse les épaules loin des oreilles. Repose, main derrière la tête, élévation du buste. Allez, muscle ton dos. 1 minute. Ouvre les coudes. Sans bouger ou en faisant des mouvements avant-arrière. On essaye de tenir 2 minutes 15.
L'idée, c'est que si vous ne tenez pas 2 minutes 15, vous essayez d'être en gainage sur les pieds. Dès que vous commencez à sentir que ça lâche, vous posez les genoux 10 secondes. Vous comptez 10 dans la tête et vous reprenez. Si c'est toutes les 10 secondes que vous relâchez, c'est pas grave. Vous restez 10 secondes de pause et vous reprenez. Le tout, c'est de ne pas lâcher. Vous pouvez tout faire sur les genoux et vous pouvez tout faire sur les pieds. 10 secondes de pause, je relance. Même si c'est 5 secondes, je dois reposer. Je repose 10 secondes et je relance. Vous lâchez rien. 2 minutes 15. Ou 4 minutes 43, non c'est 2,43. Bon, 2,43, c'est encore plus long. Allez, c'est parti. Si les épaules lâchent, vous posez les genoux, vous relâchez un peu les bras, 10 secondes et vous relancez. L'idée c'est de faire toute la chanson non-stop. En place les amis, le dernier effort de la soirée du vendredi 8 mai. Jour férié, qui n'est pas férié, pour vos abdos. Allez, en place. Gainage. On a le droit de danser en gainage. C'est 43. Hey. Vous pouvez choisir de venir avec moi si vous aimez danser. C'est difficile. Par contre, après, on a essoufflé. Marquez-moi en commentaire si vous avez tenu. Si vous n'avez pas tenu, combien de temps vous avez tenu en gros? Oui, pour ceux qui n'ont pas vu la petite vidéo, le déconfinement, c'est lundi. Préservez-vous, protégez-vous, pensez à ça, c'est pas fini. Je vais conserver un cours le mercredi soir, 19h30. Si vraiment ça vous fait trop tard à beaucoup, vous me le dites, on va essayer mercredi, et si ça fait trop tard, on passera à 19h, mais je trouve que 19h30, c'est bien pour les gens qui bossent. On va conserver un cours de spécial santé du corps, le mercredi aussi à 12h30, sur la pause déjeuner. Pour ces cours-là, j'ai mis en place une cagnotte. Je veux préciser que si vous participez, c'est volontaire, et c'est surtout pas pour payer ce que j'ai fait avant. Avant, c'était un don, c'était gratuit, maintenant... Voilà, je vous mets une cagnotte en place, vous mettez un petit quelque chose mensuellement, voilà, un petit truc pour, enfin, si vous voulez. Je vous remercie d'avance. En tout cas, on se donne rendez-vous mercredi, 12h30 pour la santé du dos, la sortie articulaire, 19h30 pour se déchirer ensemble. Si vraiment, le mercredi, il y a
50 personnes, donc invités du monde, il y a 60, 100 personnes, je ne sais pas. J'en mettrai un deuxième en place pour qu'on ait un entraînement complet. Dites-moi encore en commentaire si le cours vous a plu. Retrouvez la vidéo en replay sur YouTube. Préservez-vous, faites attention à vous, gardez la forme, gardez la santé. On vous aime, merci beaucoup, plein de bisous. Et à mercredi 19h30. Bye bye les amis. C'est déjà fini? Oui. Déjà fini? Oui. Déjà fini? Oui. Oh. Salut, salut.